On va faire un jeu avec les cartes. Alors, évidemment, Cyprien, je profite de ta venue pour qu'on fasse ce jeu ensemble. S'il te plaît. Un jeu de cartes, évidemment, toutes les cartes sont différentes. Il y a même les jokers, ça on connaît. Et puis en plus, tu connais très bien parce que tu fais un peu de magie aussi. Hein. Un tout petit peu. Non, mais tu vas voir. Ici, le niveau échoue à chaque fois. Ouais. C'est vrai. On va faire un Kems plutôt. facilement, c'est concentré. Le jeu, le Kems. Cyprien, je passe le doigt sur les cartes. Comme ceci, tu me diras si tu as envie qu'on s'arrête. On y va? Top. Parfait, tu prends la carte, tu la regardes, tu la montres à qui tu veux, mais pas à la caméra pour le moment. Je vais nous régaler. Moi, en attendant, pendant que tu regardes ta carte, retiens-la bien, c'est très important. On va faire un jeu avec les As, les quatre cartes les plus fortes du jeu. Et de cette manière, ça sera beaucoup plus facile à suivre. Tiens, tu me dis stop ou tu as envie qu'on s'arrête quand stop je... Ah, d'accord. Attention là. Il est rapide. On a deux cartes rouges et deux cartes noires, bien évidemment. Le but du jeu est de réussir à suivre les cartes. C'est un jeu qui s'appelle le Bonto dans la rue. Ouais. Alors évidemment, on ne jouait pas d'argent parce qu'on perd beaucoup d'argent. Ah. Surtout qu'au début, c'est un coup pour rien pour vous laisser gagner. Ok. La seule carte à suivre, c'est l'As de cœur. Au début, c'est simple, je mélange le cœur et le carreau. Ah oui, j'aurai un point. Un point, les mecs qui font ça. Toi, c'est qu'il est le vous avez perdu. Toutes les portes du périph', mec, il y en a un. Cyprien, pour toi, c'est là. Vous pouvez participer aussi, à droite. Non, moi, c'est à gauche. Comme Cyprien, moi. Moi, comme Cyprien, alors, j'ai pas suivi. Bah ça, c'est carreau et ça, c'est cœur. Mais du coup, on va le refaire. De toute façon, j'ai pas suivi, j'ai pas regardé. Ouais, mais même moi, j'ai pas regardé. Regarde. Donc, on suit l'as de cœur. Ça, c'est le cœur, ça, c'est le carreau. C'est celle qu'il ne faut pas confondre avec la première, bien évidemment. Sauf que dans la rue, après que vous ayez mis de l'argent, il passe les mains devant. Alors, c'est là qu'il faut essayer de pas se faire piéger. Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui va gagner. Oh. Ah non, mais quoi là, c'est les rouges. Oh, il est fort. Oh, il est chaud. Et toi, tu pourrais être milliardaire. Mais je comprends pas, elle était là, la carte. Mais oui. Les deux. Normalement, oui. Oh, oui. Ouais, mais tiens, les deux. Jules, je vais récupérer ça. C'est, mais on c'est celle de Cyprien. Non, arrête. Je te jure, mec. C'est la même. Ouais, je te jure, mec. Tricheur, tu es un tricheur. On va faire un peu dire, tu la gardes pour toi pour le moment. C'est un tricheur. On va laisser ça ici et on va reperdre la carte dans le jeu. Alors, des fois, les gens pensent que j'ai plusieurs fois la même carte, mais... ce qui est impossible. Tout à fait. Oui, c'est ça. Non, alors, c'est pas grave, c'est le matin. On refait, regarde. On va prendre la carte, on va laisser comme si en 21e position dans le jeu. Tout à l'heure, j'irai la rechercher, mais pas maintenant. Alors maintenant, on connaît bien la carte, on va pas l'oublier. Merci, désolé. On va prendre une, deux, trois et quatre cartes. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, ce sont des cartes indicatrices. Du coup, la première, en général, me donne la couleur de la carte. Maintenant, on la connaît, c'est plus facile. Mais je sais que la première, c'était une carte rouge, hein, qu'on soit bien d'accord. La deuxième me donne la famille. C'est les frères, c'est la famille, c'est du carreau. Bah, c'est La troisième me donne la valeur. Donc on sait que c'est un carreau. Et à votre avis, la dernière, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la carte. Et non, c'est un as de cœur. Alors la question, c'est pourquoi un as de cœur? Parce que depuis le départ, les amis, en fait, on ne jouait qu'avec les as et il n'y a jamais eu de 3 de carreau. Oh, bravo! Merci, 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 merci. Mais je vais l'expliquer. Parce que vous savez que je ne veux pas vous laisser comme ça. Je ne veux pas vous laisser comme ça. D'accord. Merci. Oui. Non, mais c'est quand même très impressionnant. Ouais, ouais. Évidemment, non, vous prenez 4 as dans un jeu de cartes. Ouais. Si vous faites choisir une carte à quelqu'un, la personne se doute bien que vous allez la retrouver. Ouais. Et c'est là que ça commence. Quand on claque des doigts, on a l'impression, mais juste l'impression ici, de voir le 3 de carreau. En fait, c'est une illusion d'optique qui fait que lorsqu'on claque des doigts, depuis qu'on est gamin, on sait que c'est magique. Même si on sait que la magie n'existe pas, c'est pourtant à ce moment-là qu'on a l'impression de voir le 3 de carreau. Wow. Et ça change. Et attention, la dernière, Cyprien, de moi ta main comme ça. As de carreau, tu vas voir, c'est hyper simple, c'est déjà du carreau. Je veux un gant. Tiens, tu souffles. Tu sais que ça sert à rien. Allez, on retourne la carte. Bravo. The Three of Diamonds, guys. The Three of Diamonds. Alors, quand ça fonctionne bien, on voit plusieurs fois le 3 de carreau, qu'on soit bien d'accord. Ce qui est une illusion parce que vous savez depuis le départ qu'ici, il n'y a que des As. Oh, une, deux, trois et quatre As. Et la question, c'est où se trouve le 3 de carreau? Non, c'est pas ça. C'est une autre réponse. J'allais. En fait, elle est dans ma poche depuis le début. Mais non. Et si je la mets dans ma poche et que je claque des doigts, les gars? Elle réapparaît dans le mieux. Non, 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 dans ma poche, il y a les 4 As qui arrivent. Quoi? Oh là. Et il n'y a qu'une seule carte dans ma main. Oh là là. Mais non. Alors là, vraiment. Mais non. Alors attention, on va faire plus fort. Il a pas 3 fini. De carreau, on continue. Ah non, c'est jamais terminé, il y en a pour une heure. Égal. On va la frotter sur la table ici. Hein? En fait, elle devient juste invisible. Tiens, celle-ci, c'est pour toi, Cyprien, tu la prends? C'est très humiliant de faire un Évidemment, je vous montre qu'elle n'est pas sur le jeu ni en dessous parce que ça, ça aurait été de la triche. Il a mangé. Il a la merde. Non. Respecte le jeu de carte. Est-ce que tu peux récupérer la carte de ta bouche, s'il te plaît? Parfait. Tiens, regarde du bout des doigts. Celui-là avant. Et tu vas la déposer dans l'écran juste ici. Mais non, me dis pas que c'est ça. Juste là, normalement, on devrait la voir arriver. Oh. Pas trop mal, hein. On la voit à l'écran. Il y a un petit bout, là. On la voit, ouais. On va la faire passer de là à là. Oh là là. Et mais puis, on va vérifier si c'est la bonne carte. Mais non. Non. Mec. Mais c'est pas possible. Mais waouh. Et là, c'est celle-là. On a eu mais du non. bol. Trois. C'est la bonne. Deux. Carreau. Zéro. Cyprien, merde. Alors là, mec. T'as inspiré comme à la rachette. I get strung up from a loving. I wish she'd care to see. But she
She only cares when she's so inclined.